Je m'appelle Albert, j'habite là derrière, dans l'endroit où on va aller maintenant. Aujourd'hui, première vidéo avec un nouveau huileur d'Alsace qui s'appelle Robin et on va partir de Colmar en direction de Münster. Mais avant tout, mais qui est Robin ? Moi, je suis un huileur d'Alsace. Quoi d'autre ? Je suis un entrepreneur colmarien de 31 ans qui a un projet donc caritatif de faire un road trip de 4200 km cet été pour une association qui est l'association du Petit Prince qui réalise des rêves d'enfants malades. Parce que je pense que c'est important de continuer à faire rêver des enfants qui sont confinés à l'hôpital comme nous et dans des états bien plus sérieux. Hop la guys, et roule ma poule. Oui, alors le projet aujourd'hui, comme je disais, c'est on part de Colmar. On va faire une vingtaine de kilomètres sur un chemin qu'on n'a jamais fait en direction de la vallée de Münster. Et j'espère qu'on pourra faire quelques images de drone pour vous présenter un petit peu ce petit coin qu'on n'a jamais fait en fait. C'est Colmar, c'est l'Alsace. Nous Didier Normal. Donc là on est à Turckheim, on va rentrer par la porte du Brandt. Turckheim a trois accès dans sa ville, donc la porte du Brandt c'est l'accès qui donne au vignoble. On va ensuite ressortir par la porte de Münster, qui s'appelle aussi donc la porte des sorcières. Donc la porte des sorcières, pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, en fait, pour les faire brûler, on les sortait de la ville, on les sortait par la porte de Münster. Et donc on est dans la rue des vignerons à Turckheim. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut voir la richesse des vignerons par rapport à la taille des entrées. Donc plus l'entrée était grande, ça veut dire que plus le vigneron avait de vignes, avait besoin de place pour faire rentrer son vin. Donc si vous voyez les petits porches, vous pouvez dire que c'était un vigneron qui n'avait pas beaucoup de vignes, alors que les porches énormes, c'était vraiment pour les vignerons qui avaient beaucoup de vignes d'ailleurs. Du coup, à notre époque, ça n'a toujours pas changé. Hein. Plus elle est grosse, et plus c'est valorisé. Hein. Déjà à l'époque, c'était la taille qui comptait. Et donc ça, là, c'est la porte de Münster qui est derrière nous. Donc là, on va vers la vallée de Münster, vers donc là où on brûlait les sorcières à l'époque. Nous voilà Münster, la vallée de Münster. Il est où Albert? Il est où Albert? Hop là. Alors c'est quoi? C'est une église ou alors c'est un porte cigogne. Alors le coup du drone, je pense qu'on va laisser tomber dans la mesure où il commence à pleuvoir. Donc bon, tant pis. Hein. Hop là guys, et roule ma poule. Je m'appelle Albert, j'habite là derrière, dans la vallée de Münster. Ya la la papa, ya la la, ya la 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 la.